Europe 1 Sport. Cyril Delamorinerie. Nous sommes avec Henri Chavancy, le jeune et talentueux trois quarts centre du Racing Métro. Bonsoir Henri. Bonsoir. On va, Henri Chavancy, bien évidemment, parler de l'association dont vous êtes le parrain, c'est l'association Côté Ouvert qui organise ce tournoi, le tournoi 7 de cœur à Versailles. Ce sera les 15 et 16 juin prochains. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette opération? Pourquoi vous êtes parrain? Tout à fait, c'est un tournoi qui me tient vraiment à cœur. C'est, donc vous l'avez dit, le 15 et 16 juin, sur le site de Porchefontaine à Versailles. Voilà, un tournoi à but caritatif qui va récolter des fonds pour 5 associations. Voilà, j'invite tout le monde à aller se rendre sur le site www.tournoi7coeur.com. Alors avec le chiffre 7. Avec le chiffre 7, tout à fait. Mm-hmm. Où ils pourront trouver toutes les informations. C'est un tournoi de rugby, mais voilà, j'invite toutes les familles, petits, grands, sportifs ou non, à y aller. Parce qu'il n'y aura pas que du rugby, il y aura des concerts, il y aura plein d'activités pour les petits. Voilà, il y aura énormément de choses pour passer un excellent week-end. Et je pense que voilà, pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire le week-end prochain, je les invite tous à se rendre à Porchefontaine, ils passeront un super week-end. Bon, vous nous gardez quelques saucisses, pareil qu'il y a un barbecue d'organiser avec Marc Fréjean et Valérie Jolin, on va venir en barbecue, c'est ça? Il y a énormément de choses pour vous surprendre et vraiment, j'invite tout le monde à venir, il y aura du ventriloquisme, il y aura tout pour rigoler. Et voilà, je tiens à dire d'ailleurs que le record du ventriloquisme est actuellement de 25 mètres. Donc voilà, je défie quiconque de venir battre ce record. C'est quoi un record à 25 mètres de ventriloquisme? C'est quoi ça? Exactement. Bah c'est un petit peu ce que faisait Interville à l'ancienne, vous savez, quand on se jette sur une bâche mouillée, qu'on essaie le plus loin possible. Ah, super. Il y aura la vachette? Voilà. La vachette ne sera pas là, mais je pourrais faire la vachette éventuellement si on le demande. Génial. Moi je vais venir. En tout cas, j'insiste sur le fait que même si vous n'êtes pas sportif, je vous invite vraiment à venir parce qu'il y aura énormément d'activités. Mmh. C'est pour des associations et vous allez bien rigoler. Mmh. Donc voilà. Et je tiens à dire que les équipes peuvent encore s'inscrire sur le site www.tournoi7decoeur.com. Pour s'inscrire, il faut amener un minimum de 800 euros pour une des 5 associations qui sont inscrites pour le tournoi. Donc voilà, je crois que c'est aussi faire preuve aussi de solidarité. Donc voilà, tout est réuni pour passer un bon week-end. Merci beaucoup à Henri Chavancy, joueur du Racing Métro, parrain de cette association Côté Ouvert qui organise le tournoi 7 de cœur à Versailles le 15 et 16 juin prochain, c'est donc le week-end prochain, on l'a bien compris. Et le site internet, on le redonne, c'est tournoi7decoeur.com, 7 le chiffre 7. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous et chapeau pour votre belle saison en espérant que le Racing ira, pourquoi pas, la saison prochaine en demi-finale, voire en finale du championnat de France. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Europe 1.